Well, good morning and good afternoon, everyone. Nice to see you again for this second day of the virtual training on the SDG 241 indicator. I hope you have had a nice end of the day yesterday and that you have thought a little bit about all the discussion we have had yesterday. J'espère que fortune s'est bien passée hier. Nous allons faire un récapitulatif de ce dont nous avons parlé hier. Hier, nous avons parlé de l'indicateur 241. Nous avons également présenté les 11 sous-indicateurs devant appuyer cet indicateur. Le premier qui porte sur l'aspect économique. Ensuite, nous avons discuté de la méthodologie pour calculer l'indicateur. Et également, comment présenter cela et l'interpréter. La journée d'hier a été très fructueuse. À travers la session questions-réponses, nous avons eu la réponse à plusieurs des préoccupations des uns des autres. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec une présentation de l'un de nos collègues qui va parler de l'initiative dans le domaine de l'agriculture. Je ne sais pas si nous pourrons parcourir tout ce que nous avions prévu à l'ordre du jour, mais nous verrons comment la journée va se poursuivre. En guise de rappel, vous verrez un certain nombre de participants qui sont des panélistes. Et là, nous avons nos différents collègues qui sont en train également de suivre les discussions. Veuillez couper votre micro durant toute la séance. Vous n'ouvrez votre micro que lorsque vous voulez prendre la parole. Aujourd'hui, nous allons améliorer la session questions-réponses parce que, et pour ce faire, nous allons limiter les questions-réponses parce que nous avons besoin de couvrir beaucoup de domaines. D'ici demain, nous espérons aller un peu plus vite. Mais dans tous les cas, sentez-vous libre de poser vos questions. Nous trouverons des voies et moyens pour pouvoir vous répondre. Si nous ne pourrions pas répondre à toutes les questions durant cette séance, nous vous enverrons les réponses par email. Rappelez-vous que cette session est enregistrée et par conséquent, à la fin des 3 jours de formation, nous vous enverrons l'enregistrement. Rappelez-vous également que les services d'interprétation sont disponibles en bas de l'écran. Si vous voulez suivre les discussions en français, vous pouvez cliquer sur français, anglais, vous cliquez sur anglais. Si vous ne sélectionnez aucun canal, eh bien, vous allez suivre les délibérations dans la langue original, c'est-à-dire que ce soit en français ou en anglais, selon les intervenants. Je pense, mesdames et messieurs, qu'avec ceci, j'ai parcouru tous les points essentiels. Je vais repasser la parole à mon collègue arabe pour ses commentaires. Si vous avez des préoccupations, eh bien, envoyez-moi un petit message dans l'option discussion et je vous répondrai. Merci Stéphania. Bonjour à tout un chacun des participants à qui je souhaite la bienvenue à cette deuxième journée. Nous allons poursuivre à partir de là où nous nous sommes arrêtés hier. Comme Stéphania l'a dit, nous avions présenté l'aspect, la dimension économique de l'indicateur. Désolé, le son de l'orateur est en train de couper. Cela rend difficile l'interprétation. Je faisais référence hier. À certains de ces éléments, je vais mieux en parler aujourd'hui.
let me give you a brief context as to. Je vais vous donner l'aperçu global de ce que nous entendons par revenu net. Dans le cadre de ce sous-indicateur, nous devons comprendre que l'utilisation des informations portant sur la performance des fermes va permettre d'orienter les informations, les prises de décision, que ce soit au niveau micro que macroéconomique. Nous avons parlé des moteurs clés et bien comprenez que ceci peut également influencer le comportement des dirigeants et autres acteurs, que ce soit les industriels que les acteurs de petite taille. L'ODD 2.41 offre différentes approches. Premièrement, l'approche que la FAO recommande est beaucoup plus précise. La deuxième approche, qui est beaucoup plus simplifiée, est basée sur la déclaration des producteurs en ce qui concerne leurs revenus nets au fil de l'année. Désolé de vous interrompre, mais le son au début était vraiment terrible, mais maintenant ça s'est amélioré. Donc, je ne sais pas si vous pourriez vous repositionner pour avoir une meilleure connexion Internet pour que nous puissions facilement suivre votre intervention. C'est à guise d'information dans tous les cas. Je ne sais pas si vous pourriez voir un peu l'aspect Internet pour que le message soit beaucoup plus clair. Oui, d'accord. Maintenant, c'est clair, j'espère. Oui, je vous tiendrai informé lorsque cela se dégrade encore. Merci. Donc, je parlais des deux options. La première qui est beaucoup plus sophistiquée et la deuxième qui est une approche simplifiée et qui est axée sur la déclaration des exploitants. Désolé, le son se dégrade encore. Peut-être il va falloir que vous déconnectiez, que vous reconnectiez, peut-être. Je ne sais pas. Quelle est la solution, l'approche la plus appropriée? D'accord, donnez-moi 5 minutes et je verrai ce que je peux faire. Yes, so he's disconnecting now and then he will. Chers participants, Arab va se déconnecter et se reconnecter incessamment. En attendant, si vous avez des questions ou préoccupations, vous pouvez toujours utiliser l'option question-réponse. Donc, s'il vous plaît, en guise de rappel, les questions doivent être envoyées dans la session Q&A, question-réponse. Et ne mettez pas les questions dans l'option chat. Stéphanie, est-ce que vous pourrez confirmer si c'est bon? Oui, maintenant c'est bon, c'est bon. D'accord, merci. Je vous présente mes excuses pour tout ceci. Je vais essayer de reprendre tout ce que j'ai dit. Alors, pour la mesure des revenus net de la ferme, j'ai parlé de deux approches. L'approche sophistiquée qui est beaucoup plus sophistiquée et difficile à faire, alors que la deuxième est beaucoup plus simple et porte sur
la déclaration de revenus nets de l'exploitant. En utilisant alors cette deuxième option, nous utilisons la formule que vous avez à l'écran pour le calcul. NFI, qui est le revenu net total de la ferme. CR, c'est la liquidité totale reçue, y compris des paiements des programmes. Nous avons également YK, qui représente les revenus en nature. OE est les dépenses totales associées à l'opérationnalisation de la ferme. Et DEP, c'est la dépréciation et l'inventaire est égal à la valeur du changement de l'inventaire. Cette formule est utilisée par les pays lorsque les données relatives aux données financières de la ferme sont documentées, que ce soit hebdomadairement, mensuellement et autres. En général, les exploitations de grande taille ont des archives de leurs dépenses et revenus, et sur cette base, vous pouvez facilement faire le calcul. En ce qui concerne le calcul en utilisant l'approche sophistiquée, ce dont nous aurons besoin, c'est premièrement votre produit. C'est ce dont nous avions parlé hier. Ce dont nous avons besoin, c'est le produit qui a été utilisé, multiplié par le prix à la production. Cela devrait nous donner la valeur de votre produit. S'il s'agit des produits agricoles ou des produits d'élevage ou le mélange des deux. S'il y a d'autres activités, comme je l'ai expliqué hier, dans le cadre de mon exposé, s'il y a des activités secondaires, mis à part la production agricole ou d'élevage, vous devez également tenir compte de leur prix. En ce qui concerne les éléments de données, nous ne vous demandons pratiquement rien de nouveau. Ce sont les mêmes informations qui seront utilisées pour la productivité ainsi que pour les revenus nets de la ferme. En outre, ce dont nous aurons besoin sont les paiements directs du programme, les revenus en nature, ainsi que la valeur du changement de l'inventaire. Tous ces produits que vous voyez ici, leur description détaillée ou définition sont fournis dans le lien que vous avez en bas de la diapo. Il s'agit là d'un aspect de l'équation, un ensemble de variables ou de données dont nous avons besoin pour faire l'estimation du revenu total ou de la recette totale de la ferme. Pour connaître le revenu, il faudrait maintenant soustraire de tout ceci les coûts associés aux opérations et activités de la ferme. Pour ce faire, nous avons besoin des dépenses associées à l'exploitation de la ferme ainsi que les coûts généraux ainsi que la dépréciation. Il s'agit en l'occurrence des dépenses en termes de salaire, les dépenses pour les engrais, les pesticides, l'essence, l'électricité, les coûts pour l'alimentation des animaux, les coûts associés à l'irrigation, les impôts, les coûts de dépréciation et autres dépenses que la ferme fait dans le cadre de ses opérations.
Donc, ceci requiert beaucoup plus de données, comme je l'avais expliqué. Maintenant, nous avons estimé lors du processus d'élaboration de la méthodologie que, surtout pour les pays en développement et dans certaines fermes, les données financières ne sont pas bien maintenues. La collecte des informations sur ces points, surtout dans le cadre d'une enquête agricole, pourrait être un peu trop pour les pays en développement. Par conséquent, comme je l'avais dit plus tôt, nous avons suggéré une approche plus simple. La première approche simplifiée est la suivante. Nous demandons simplement des informations relative à la valeur des produits ainsi que les dépenses associées à l'exploitation de la ferme. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche simplifiée est la suivante. Nous demandons aux producteurs quel est le niveau de profitabilité de sa ferme au cours des 3 dernières années. C'est une question directe que nous demandons à l'exploitant pour savoir si sa ferme a été profitable ou a fait des recettes au fil des 3 dernières années, ou ce fut un an des 3 ou 2 ans de ces 3. Maintenant, sur la base de sa réponse, nous pouvons déterminer le niveau de viabilité de sa ferme. Pour réduire la charge que représente la collecte des données pour les pays, nous avons conçu le module de l'enquête agricole de sorte à ce que cette question soit intégrée. Maintenant, comment est-ce que nous pourrons déterminer les statuts de durabilité ou comment allons-nous utiliser l'approche tricolore pour ce sous-indicateur? Eh bien, l'exploitation agricole obtient la couleur verte lorsque son niveau de profitabilité est supérieur à 0 pour 3 ans consécutifs. Et la ferme est en jaune lorsque le niveau de profitabilité ou son revenu net est supérieur à 0 pendant au moins un des 3 ans consécutifs. Et c'est rouge lorsque le revenu net ou le niveau de profitabilité est inférieur à 0 durant les 3 années consécutives. Comme vous l'avez certainement remarqué, le seuil de ce sous-indicateur utilise 3 sous-indicateurs, comme présenté par le producteur lui-même. Ceci devrait nous permettre d'évaluer le niveau de profitabilité de la ferme sur la période que nous voulons utiliser. Il faudrait tenir compte des défaillances sur le marché, c'est-à-dire les prix et autres, ou alors des facteurs écologiques ou environnementaux qui pourraient avoir un impact sur la productivité de la ferme, c'est-à-dire la pluviométrie, la présence des ravageurs, ainsi de suite. Donc, comme je l'avais dit, dans le cadre du module qui a été conçu pour la collecte des informations dans le cadre de l'indicateur 241, nous avons une question qui porte sur le revenu net de la ferme. Et pour ce faire, nous avons posé la question directe qui doit être posée à l'exploitant, c'est-à-dire le niveau de profitabilité de sa ferme durant les 3 dernières années. Sur la base de cela, vous pouvez voir que pour
ces 3 ans, la ferme numéro 1 a été profitable 2 ans et donc a obtenu la couleur jaune 2, a fait des recettes durant les 3 années consécutives et donc est désirable en vert. Et troisièmement, durant les 3 années, la ferme n'a pas fait de recettes et donc est classée en rouge. Les chiffres que je vous montre ici portent sur un test pilote qui a été organisé entre 2018-2019 à Bangladesh. Comme vous pouvez le voir, en utilisant l'approche que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire la détermination du niveau de profitabilité de la ferme, nous avons pu catégoriser les exploitations agricoles, les verts, les jaunes et les rouges. Et ceci sur la base de la taille de la zone cultivable. Et sur cette base, nous avons pu déterminer la proportion de zones qui sont en vert, jaune ou en rouge. Je m'en vais maintenant vous présenter le tableur Excel qui va porter sur tous ces éléments. Stéphania, pourrez-vous confirmer si cela est visible? Oui, il l'est. Comme je le disais plus tôt, la question que nous posons dans le cadre de l'enquête, c'est de savoir quel est le niveau de profitabilité de la ferme, c'est-à-dire lorsque vos recettes dépassent les dépenses que vous avez faites. Comme vous pouvez le voir, les réponses sont là et ils ont 4 options. Non profitable pour les 3 ans, profitable 1 an des 3, 2 des 3 années et durant les 3 ans. Maintenant, sur la base de sa réponse, nous définissons ou nous déterminons la couleur à attribuer à la ferme. C'est cette approche donc que j'essaie de vous présenter plus tôt. Maintenant, l'approche plus sophistiquée dont j'ai parlé hier et un peu plus tôt ce matin, vous avez besoin des informations sur les différents éléments. Nous avons besoin donc d'informations sur des quantités. Et là, nous avons la moyenne, la valeur médiane. Ensuite, nous avons les spéculations, les sous-produits, ainsi de suite. Pour les produits d'élevage également, le total et le prix médian doivent être recueillis. Les produits issus de ces produits d'élevage, leur quantité, leur prix doit être recueilli. Et maintenant, la quantité et le prix des autres produits qui sont obtenus sur la ferme. Donc, voici la session qui porte sur les recettes. Ensuite, nous avons besoin d'informations sur le coût total de la production, de la spéculation du produit de l'élevage, de ses sous-produits, les salaires, les coûts en nature, les coûts pour les engrais, courant, électricité, ainsi de suite. Donc, une fois que nous obtenons toutes ces informations, nous les utilisons. Pour ensuite, rappelez-vous, je suis en train de parler de l'approche sophistiquée parce que la version simplifiée est plus simple parce que justement, il s'agit d'une seule question
que vous devez utiliser. Maintenant, pour l'approche sophistiquée, vous avez besoin de plus d'informations par année, c'est-à-dire les prix, les quantités et autres. Les coûts pour les différents produits. Donc, comme vous pouvez le constater, vous aurez besoin de beaucoup plus de données pour pouvoir vous en sortir avec la formule complexe. Nous avons des données sur les produits, les paiements directs pour toutes ces trois années, les coûts, les différents coûts et dépenses. Ensuite, nous faisons la soustraction entre revenus et dépenses pour chaque année afin de déterminer exactement la situation de la ferme, c'est-à-dire savoir si la ferme fait des profits ou pas. Sur la base du résultat, nous pourrons attribuer les couleurs. Donc, il y a l'exemple numéro 1 ici. Cette ferme a fait des recettes 2 ans et a eu une année difficile et par conséquent, elle a été classée en jaune. Si vous avez des questions, vous pouvez d'ores et déjà commencer par les poser. Merci. Nous avons déjà une question qui est en français. D'utilisation des Excel pour la meilleure compréhension. So you mean to say what is the Je voudrais avoir plus d'éclaircissement sur ce point. Et il demandait une note d'utilisation. Je ne sais pas ce que cela signifie en français. Mais c'est juste peut-être des informations qui pourraient les amener à comprendre les étapes à suivre. Oui, certainement. J'avais indiqué hier et je voulais réitérer cela aujourd'hui que tous les documents qui sont nécessaires pour permettre au pays d'estimer l'ODD de 4.1 ont été déjà traduits en français. Mais cette feuille de calcul que nous faisons voir en anglais sera disponible aussi bien en français et nous aurons à vous l'envoyer. I want to know what to do with the Well, I mean, this is something. En fait, il s'agit là de quelque chose que nous aurons l'occasion de discuter plus tard aujourd'hui lors d'une des sessions sur le programme ADIS pour l'année 2018. Un de nos collègues de l'équipe de sondage ou d'enquête vous présentera ce projet qui est soutenu par la FAO, la Banque mondiale et IFAD, dans lequel nous soutenons 50 pays de moyens revenus à travers le monde avec un programme d'enquête agricole. Voilà donc l'une des initiatives par laquelle tous les EDD 241 et bien d'autres indicateurs des ODD pour lesquels la FAO est garante sont inclus dans ce projet. Et si votre pays fait partie de ce projet, bien évidemment, la FAO
et bien d'autres institutions multilatérales au cours des prochaines années vous apporteront l'assistance technique nécessaire pour vous permettre de standardiser et d'adapter vos enquêtes agricoles afin de pouvoir présenter des rapports sur cet indicateur. Voilà donc ce travail qui sera expliqué davantage plus tard. Maintenant, pour ce qui est de savoir quand est-ce que tous les pays auraient à intégrer le DD241 dans leur enquête agricole, nous pourrions l'influencer à une certaine mesure dans le cadre de ce programme dont je viens de parler. Mais en fait, le reste appartient au pays. S'ils pensent que la durabilité en agriculture est une question qui leur est importante à gérer au niveau pays pour améliorer la situation du secteur agricole, la durabilité de ce processus, à ce sujet, nous estimons que les pays doivent adopter les mesures nécessaires pour intégrer les besoins de l'EDD dans leur enquête agricole. À ce sujet, est-ce que les pays auraient une enquête agricole bien informée? Cela revient au pays. Nous ne pouvons pas obliger les pays à faire quoi que ce soit. Nous ne pouvons qu'en tant qu'agence onusienne à soutenir ces pays conformément à nos capacités, aux informations qui nous sont disponibles et les aider à mettre en œuvre les ODD. Mais la décision sur l'adaptation de cet instrument à leur secteur agricole appartient véritablement et uniquement à ces pays. N'est-il pas difficile aux paysans de déclarer leur profitabilité? Il y a certains produits qui sont consommés, d'autres vendus. Comment peuvent-ils garantir cette profitabilité dans une telle situation? Oui, bien entendu, nous sommes bien conscients de cette réalité. Et pour ce faire, et par rapport à cet indicateur particulier, il faudrait bien former les recenseurs ou ceux qui auront administré les questionnaires sur le terrain. Nous, il va falloir les éduquer, bien les former, et toutes ces informations sur comment former les énumérateurs et les recenseurs fait partie du manuel. Et donc, il y a un manuel qui est conçu à ce sujet. Une fois qu'ils sont sur le terrain et que les paysans ou les exploitants posent des questions, ils doivent pouvoir faire comprendre cette question de la profitabilité à ces derniers. Leur faire comprendre pourquoi estimer la valeur totale de production est importante. Et pour ce faire, il faudrait réfléchir à tous les produits qui sont vendus et consommés et ceux qui sont vendus sur le marché. Ce qui est produit au niveau de l'exploitation, qu'elle soit produite ou vendue, ce concept doit être bien expliqué aux paysans par le recenseur. Et de deux, les paysans sont très intelligents, dites-vous. Et voilà la compréhension que j'ai de la chose. Nous ne devrons donc pas sous-estimer leur intelligence. Ils savent quelles sont les dépenses qu'ils font dans le cadre de leur exploitation. Ils peuvent ne pas avoir ne pas tenir des livres à cet effet, mais ils savent qu'ils font des pertes.
Est-ce qu'il est clair que cette approche simplifiée peut aider les ménages? Je crois que l'approche sophistiquée est pour le système de production commerciale. Nous avons fondamentalement proposé un nombre d'options au pays et avec la collecte d'informations sur ces sous-indicateurs. Alors, si le secteur de l'agriculture commerciale est bien avancé dans un pays avec une bonne tenue de livre, avec toutes les activités entreprises à travers l'année, nous dirons oui, ayez une approche simplifiée pour le secteur des ménages et l'approche sophistiquée pour la partie commerciale. Sinon, vous pouvez utiliser l'approche simplifiée pour le secteur des ménages et des non-ménagers. Et encore une fois, il appartient au pays d'adopter l'approche qui leur convient. Bien entendu, adopter l'approche sophistiquée voudra dire que vous avez beaucoup plus de questions au niveau de votre enquête agricole. Mais l'avantage d'avoir l'approche sophistiquée est que vos estimations seront beaucoup plus précises. Il appartient tout à fait entièrement à vous de voir ce que vous comptez utiliser conformément à la réalité et aux ressources disponibles au bureau de statistiques ou au ministère de l'Agriculture par rapport à ceux qui sont chargés de cette enquête agricole. Monsieur Alex Moutin-Bautier, vous avez la parole. Merci. Ma question est liée à la périodicité. Quand demander aux paysans si sa production est profitable, je m'appuie sur l'expérience de mon pays. Chez moi, au Rwanda, l'enquête agricole est menée chaque année ou chaque saison. Et il faudrait obtenir des informations auprès des paysans sur la saison écoulée. Alors, je me demande comment pourrions-nous obtenir des informations auprès des paysans pour les trois dernières années. En fait, dans le cadre de mon pays, cela inclut 9 saisons. Si nous devons aller en arrière. Alors, ma question est de savoir s'il était possible d'ajuster cette question compte tenu de la situation du contexte du pays. Peut-être pour demander les informations sur les trois dernières années ou bien chaque année. Ou bien obtenir des informations ou demander aux paysans des informations sur les neuf saisons écoulées. Je comprends bien la situation. Se rappeler des informations sur 9 dernières saisons qui veut dire sur 3 ans serait trop compliqué aux paysans. Oui, nous pouvons en discuter davantage dans une session bilatérale pour voir si nous pourrions avoir une solution adaptée au pays conformément à leur saison ou à l'année. Mais telle que la méthodologie est conçue, cette demande est basée sur 3 ans. C'est ce que nous recommandons au pays pour application ou à mise en œuvre. Mais nous pourrions en parler au cas par cas et surtout pour la situation du Rwanda pour voir comment cet indicateur peut être modifié en fonction
des informations et de manière efficace en termes de coûts. Merci. Je donne à présent la parole à M. Baobadi. M. Baobadi Atosu. Mon prédécesseur, hein. Oui, en fait, le problème, c'est que on compare le profit net de l'exploitation sur les trois années. Donc, cela voudrait dire que il faudrait faire des enquêtes donc de façon longitudinale, c'est-à-dire avoir un échantillon représentatif construit dans le temps. Donc, chaque année, et on fait l'enquête, et puis pour les mêmes exploitations, deuxième année, l'enquête aussi va porter sur les mêmes exploitations. C'est de cette façon qu'on peut voir la dynamique donc, du profit net donc, pour chacune des exploitations. Donc, sur ce, je voudrais que vous parliez un peu de ça. Est-ce que c'est le système? Ou bien comment vous, parce que c'est de cette façon que je vois la chose. Merci. Yeah, as I replied to the previous question, my answer. En effet, comme je l'avais dit précédemment, ma réponse est la même. En termes d'enquête agricole, surtout celle que la FAO recommande au pays, qui est le programme AGRIS de l'initiative 2015-2020, je crois qu'il y a des questions sur des questions des saisons précédentes également. Mais sur les trois dernières années et pour 9 saisons, ce sera un gros défi. Et donc, tâchons d'avoir cette discussion de manière bilatérale. Et je pourrais donc demander à M. Flavio, le chargé du programme AGRIS, et sur la base des conclusions que j'aurai avec lui, je pourrais vous informer de manière appropriée, à savoir si nous pourrions adapter certains éléments à une situation beaucoup plus gérable. Okay, we have another question. It's in French. Et nous avons une autre question. Nous comptons organiser les recensements de la population couplée à l'agriculture en 2022. Ma question est de savoir si on peut intégrer des questions en rapport avec cet indicateur, avoir le temps du recensement. Si oui, pouvez-vous nous donner quelques exemples de questions et rapports avec l'indicateur à poser aux agriculteurs? So actually, as I highlighted earlier, en fait, comme je l'avais déjà dit, la raison pour laquelle nous devrions avoir que chaque indicateur doit être détaillé dans un document d'appui ne peut être sous-estimé. Si vous êtes en voie d'entreprendre ou de mener votre enquête agricole dans le mois à venir ou dans un an, je crois. Donc, le moment est approprié de commencer à adapter votre enquête avec les questions 241 en recueillant des informations sur ces 7 indicateurs. Sous ces sous-indicateurs pour le cycle prochain. Ma seule préoccupation serait
le caractère représentatif de l'échantillon que vous auriez retenu pour cette enquête? Parce que pour l'indicateur de 4.1, nous ne traitons pas de l'aspect économique, mais aussi de l'aspect environnemental. Et donc, cet échantillon doit pouvoir avoir des estimations qui soient fiables pour ces sous-indicateurs. Dans tous les cas, la première étape serait pour le pays d'analyser les insuffisances au sein de cette enquête par rapport aux exigences de l'indicateur 241. Une fois que ces insuffisances sont bien ciblées, la question supplémentaire qui doit être intégrée dans cette enquête agricole serait l'étape suivante. Je crois donc que si vous envisagez mener une enquête agricole dans le mois prochain, voici le moment pour vous de procéder à cette évaluation de la situation. Je vous remercie. Voilà. Je donne la parole à Monsieur Essonou. Monsieur Essonou, vous avez la parole. Oui, merci. Je voudrais juste poser la question sur, je ne sais pas, cette formation me paraît très intéressante. Peut-être c'est pour cela que je pose beaucoup de questions. Et le fichier Excel que vous avez développé, je le crois aussi qu'elle est très intéressante. Et ça va nous permettre, nous, les pauvres focaux du pays, pour bien traiter ces données avec lesquelles nous allons collecter. Alors, je pense que la FAO, son but, c'est d'avoir les données agricoles dans tous les pays pour que, pour dire que tous les pays soient dans le même niveau. Ma question était, est-ce qu'il est possible au niveau de la FAO d'impulser le projet de Countrystat? Countrystat, comme vous le savez, est un projet très ambitieux et important pour tous les pays qui permettra que tous les pays soient au même niveau. C'est-à-dire, même si on ne réalise pas, même s'il n'y a pas beaucoup de moyens dans les pays, mais avec ce projet de Countrystat, qui a le but d'actualiser le fichier dans le site, utiliser ces données directement s'il n'y a pas une enquête agricole pour toutes les années. Comme vous le savez, tous les pays actuellement sont en déficit de moyens économiques pour la pandémie du COVID. Alors, est-ce qu'il est possible d'impulser ce projet qui est important aussi pour les pays? Je sais qu'il y a certains pays qui sont déjà adhérés à ce projet et qui ont déjà commencé à travailler, mais il y a aussi certains pays qui ne sont pas encore dans le projet. Merci. Sandhya, I think I'm going to answer this question. Je vais plutôt répondre à cette question. Merci pour la question. Moi, personnellement, j'ai été la responsable de Countrystat à la FAO. Donc, je peux bien répondre à ces questions. Malheureusement, le projet en termes d'assistance technique au pays a été terminé en 2019. Donc, il a été un projet qui a duré plus que 10 années. Et on a fait soit l'assistance technique au pays et soit construire les sites web pour la dissémination des données. C'était un projet qui a été financé par plusieurs fondations. La plus grande était la fondation de Bill et Melinda Gates. Mais après, plus que 10 ans d'assistance au pays, la FAO avait comme projet quand même de terminer l'assistance technique, mais quand même laisser les sites web disponibles pour les pays pour disséminer les données toute seule, je veux dire. Donc, l'assistance technique et financière de la FAO ne peut pas malheureusement être reprise en ce moment. Et
Donc, la réponse à votre question, malgré soit une bonne question et une bonne suggestion, mais n'est pas possible. Donc, le projet a officiellement terminé en 2019. So, Stefania, you may want to... Alors, Stefania, pour bien résumer cette question, vous avez... Vous faisiez partie du processus, vous allez certainement répondre à cette question. Je viens d'apporter la réponse. Merci. Alors, quel est le résumé? Je disais que malheureusement, l'assistance au pays, aussi bien technique que financière, s'est achevée en 2019. Mais le site à ce sujet est toujours disponible au pays pour avoir les informations nécessaires. Mais la FAO, malheureusement, n'apporte plus aucune assistance dans le cadre de ce projet, bien que le site web destiné au projet est disponible pour exploitation par le pays. I think we have done. Okay. Je crois que nous en avions fini. So, now that we have covered the net maintenant, income, nous avions couvert le revenu et net avec les 7 éléments. Nous allons maintenant passer au mécanisme d'atténuation. La résilience a émergé comme élément de durabilité et cela requiert des capacités adaptatives. Et par rapport à la portée du système, les exploitations peuvent ainsi résister aux chocs et pour cela, les pays doivent être vraiment fonctionnels. Dans le cadre de l'ODD 241, les chocs externes suivants sont pris en considération. La famine, non, la sécheresse, le stress, les pestes, c'est des insectes ou toutes bêtes qui attaquent les produits agricoles et qui contiennent alors les chansons. Le choc du marché, toute demande qui bouleverse les prix du marché ou les prix des marchandises en est un exemple. Alors, le mécanisme d'adaptation au choc, l'indicateur de 4.1 propose que les exploitations agricoles aient suffisamment d'assurance, des mesures qui permettent à l'exploitation de se prémunir contre ces chocs externes par rapport au crédit, accès au crédit des prêteurs ou les banques. Et le dernier, le fait que cette exploitation a un programme de diversification. La diversification est définie comme la part d'une marchandise agricole unique produite ou une activité qui n'est pas supérieure à 66% de la valeur de production totale de cette exploitation. Les deux premiers éléments, crédit et assurance, sont facile pour en obtenir des informations. Il s'agit de savoir s'ils ont accès à ces mécanismes d'atténuation. Est-ce que vous avez
accès au crédit ou accès aux assurances, à une assurance. Et sur la base de la réponse apportée par le paysan, nous saurons si ces mécanismes d'atténuation existent. Alors, le troisième qui porte sur la diversification de la production de la ferme dépend de l'information disponible. Quelles sont les informations dont nous aurons besoin pour garantir cette diversification? Tout cela est facile. Nous avons déjà obtenu des informations dans le cadre de la productivité et la même information a été utilisée pour définir le revenu net. Maintenant, nous avons besoin des informations sur la valeur de production totale de toutes les spéculations produites. Et nous avons commencé à diviser les produits individuels par rapport à la production totale et nous avons constaté que ce pourcentage est inférieur ou supérieur à 66%. Et si tel est le cas, cela veut dire que cette exploitation n'est pas diversifiée et ne compte pour son revenu que sur un seul produit. Si cela est supérieur à 66%, cela veut dire qu'il compte sur beaucoup plus d'une source de production. Et son exposition au risque est minime vis-à-vis d'un processus de diversification. Comment pourrions-nous alors catégoriser cette exploitation agricole, à savoir s'il est vert souhaitable, jaune acceptable ou rouge non durable? Si l'exploitation a accès à un ou trois des mécanismes d'atténuation, s'il a accès au crédit, oui. Accès à l'assurance, oui. Si deux sont satisfaits sur trois, vous direz que cette exploitation est catégorisée dans la couleur verte. S'il y a un de ces critères sur trois, jaune. Si aucun de ces mécanismes d'atténuation n'existe, non accès au crédit, non accès à l'assurance. Et en plus, ici, c'est une monoculture et ne compte que ou ne dépend que sur une seule culture ou un seul type d'élevage. Bien entendu, cette exploitation serait vulnérable aux chocs externes qui, comme je l'avais déjà dit, cela peut être dû à l'échec des prix, des pestes ou la sécheresse. Encore une fois, voilà les données de Bangladesh. Et en plus de l'information que nous avions déjà recueillie et réanalysée dans le cadre de cet indicateur, parce que dites-vous, aucune nouvelle information n'est requise. L'une des questions est l'accès au crédit et à l'assurance. Comme vous le voyez ici, l'exploitation numéro 1, la part du premier produit et la valeur de production est de 76%. Et donc, cette exploitation est pratiquement, compte pratiquement sur un seul produit pour son revenu ou sa valeur de production. La diversification au niveau du champ, zéro. Ce champ ou cette ferme ne entreprend aucune diversification. Il a quand même accès au crédit et accès à l'assurance. Et donc, le nombre total de ces risques d'atténuation est de 2 sur 3. Et donc, cette exploitation est classée sous la couleur verte, à savoir souhaitable. Alors, si le revenu dépend
même produit 33%, de la 34% de la quatrième, du troisième produit et ne compte pas sur, ne compte pas ou ne dépend pas d'un seul produit. Et donc, c'est, selon nos critères, il y a une diversification. Mais on n'a aucun accès au crédit ni à l'assurance. Et donc, cette attestation a un seul élément d'atténuation de risque et donc est qualifié d'acceptable. Et le troisième, un seul produit, 100%, pas de diversification, donc pas d'assurance, pas de crédit, non durable. Le dernier élément, une fois que nous qualifions ou nous catégorisons l'exploitation agricole à travers ce raisonnement, la zone cultivée ou cultivable qui fait l'objet d'exploitation, les zones voilà, nous procédons à la proportion de la zone agricole. Donc, au fur et à mesure, vous voyez ce que cela a donné en fonction des couleurs. Je vais maintenant passer au fichier Excel. So, for the risk mitigation mechanism. Alors, pour l'élément d'atténuation. Pour la première question, nous aurons besoin d'avoir des, pour avoir des informations, c'est les mêmes questions qui vont être posées. Et la valeur de production totale par produit, la valeur totale de production de l'élevage. Ensuite, la production des autres produits que l'on peut obtenir de la ferme. Et quatrièmement, la question que j'avais initialement mentionnée, c'est-à-dire chercher à savoir si la ferme a des outils pour se protéger contre certains des chocs externes. La question est de savoir si la ferme a accès à des services de crédit, d'assurance et ainsi de suite. Et de troisième option, c'est qu'il n'y a aucun mécanisme en place. Donc, c'est la question supplémentaire dont les pays auront besoin dans le cadre de ce sous-indicateur. Comment pourrions-nous estimer si la ferme est bien diversifiée? Nous avons besoin de faire encore des calculs. Nous aurons besoin d'informations relatives au prix unitaire médian par rapport aux spéculations ainsi que les produits d'élevage. Ensuite, nous faisons une évaluation totale du produit sur la base du produit et nous, pour ce faire, nous faisons la multiplication entre le prix et la quantité. Donc, ici, le total, c'est 1477. Ensuite, nous divisons les valeur pour chaque produit par la valeur totale, comme vous pouvez le voir ici. Donc ici, voilà, nous l'avons fait pour chaque produit et nous devons vérifier si ce pourcentage dépasse 66% pour quelque produit que ce soit. Si tel est le cas, eh bien, la ferme sera classée comme non diversifiée. Si c'est moins de 66,
la ferme est diversifiée en ce qui concerne sa production. Je vais observer une pause à ce niveau et passer la parole à Stéphania. Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore de questions. D'accord. Attendez, il y a une question. Monsieur Obed Kawanda demande à prendre la parole. Eh bien, vous l'avez, monsieur. À vous la parole, monsieur Obed. Merci. Je pense que ma préoccupation a été prise en compte. J'avais voulu poser une question relative à la résilience et les composantes de la diversification, parce qu'il y a certaines spéculations qui sont résistantes au climat. Et donc, qui dépendent essentiellement du climat qui prévaut dans cette région. Pour ma part, je me dis que c'est un élément important qui peut influencer la manière dont le producteur peut diversifier sa production. Mais dans l'exposé, il a été dit que tout dépend du pourcentage de chaque spéculation. Alors, est-ce que vous tenez en compte la question de la résilience au climat ou bien vous prenez n'importe quelle spéculation sans tenir compte de son niveau de résilience au climat? Eh bien, votre point est très pertinent. Dans le cadre du sous-indicateur 2.41, nous nous focalisons sur les spéculations tout simplement pour voir si la ferme est résiliente aux chocs externes. Nous ne prenons pas en compte les cultures qui sont résilientes ou résistantes à certaines conditions climatiques. Nous essayons de voir tout simplement quel est le degré de diversification de la ferme, sans chercher toutefois à aller trop dans le détail pour savoir si les spéculations qui sont développées sont résistantes à un climat ou un autre. Donc, oui, il s'agit là d'une limite que vous venez d'identifier à cette méthode, mais dans le cadre du sous-indicateur 2.4.1, nous posons déjà des questions en ce qui concerne nous avons déjà des préoccupations relatives au pays où la collecte des données rencontre beaucoup de difficultés. Maintenant, si nous voulons ajouter d'autres facteurs tels que le niveau de résistance des spéculations au climat, cela va entraîner un ajout d'autres questions, ce qui va prolonger la durée de l'enquête agricole et par conséquent avoir une incidence sur les coûts. C'est vrai, donc, nous reconnaissons que nous ne prenons pas en compte tous les aspects qui pourraient être très importants, mais pour trouver le juste milieu entre ce qui peut être collecté de manière efficiente, nous avons essayé de maintenir le cadre le plus simple que possible. Merci. J'aimerais également répondre à une question. Nous avons partagé ces documents Excel vides. Ces documents ont été envoyés avec l'invitation, mais à la fin de la formation, nous allons vous envoyer tous les documents pédagogiques, y compris les exposés, mais aussi les documents Excel. Donc, ne vous préoccupez pas de quoi que ce soit, nous allons vous envoyer ce document, mais nous allons en outre veiller à ce que cela soit
cela soit traduit avant que nous ne vous les nous les envoyons. Donc, nous ne pouvons pas le faire maintenant, mais nous verrons à ce que cela soit traduit. Permettez-moi maintenant de passer la parole à M. Becquerel. M. Becquerel, vous avez la parole. Merci, Stéphania. Ma question porte sur la couverture assurance et l'accès au crédit. Comme vous l'avez déjà dit, l'exploitant pourrait assurer certaines de ces exploitations. Et en ce sens, il pourrait se focaliser sur certaines spéculations, alors que d'autres ne seraient pas assurés. La même chose s'applique à l'accès au crédit. Certaines institutions bancaires peuvent vous donner des crédits pour des spéculations spécifiques et vous refusez l'accès au crédit pour d'autres. Quelle serait alors votre approche par rapport à cela? Comment est-ce que nous gérons ces questions d'accès partiel au crédit ou à l'assurance? Bon, dans le cadre du 2.41, cela ne compte pas. Une fois qu'il y a une politique d'assurance, que ce soit partielle ou totale, eh bien, nous ne prenons pas en considération ces détails. Une fois encore, pour avoir des informations relatives à la couverture partielle ou non de ces exploitations, nous risquons encore d'ajouter des questions. Nous pourrons nous dire, par exemple, que pour l'assurance, il faudrait que dès que cela couvre 10% des spéculations de l'exploitation, bon, nous considérons que cela veut dire que la ferme est assuré. Donc, nous ne mettons pas tellement l'accent sur la disponibilité de l'assurance ou de crédit pour toutes les spéculations. Merci. Je passe la parole à M. Esseno. Oui, merci. Je ne sais pas, peut-être qu'on explique. Il y a des choses qui n'est pas encore un peu claires dans ma tête. Premièrement, je n'ai pas très bien compris comment la question que j'évoquais sur Contristat, si Stéphanie pouvait encore bien expliquer, pardon. Je suis désolé. Deuxièmement, pour la collecte, et sur la nouvelle méthodologie que nous avons, que vous avez eu à soumettre et que vous allez encore remettre, comme vous le dites. Et comme vous savez, chaque pays a ses spécificités de saison. Est-ce que c'est de manière générale dans la nôtre ou bien il faut prendre en compte les saisons de collecte de certains produits dans les pays? En fait, c'est quelque chose qui n'est pas encore un peu clair dans ma tête. C'est pour cela que je reviens à cette question. Merci. So broadly speaking, I mean, we have set the parameters or the boundaries. Globalement parlant, nous avons défini les paramètres dans le cadre de l'élaboration de la méthodologie. Nous avons essayé en ce sens de faire de notre mieux pour respecter les classifications et systèmes normalisés qui ont déjà été acceptés par les institutions internationales. Cette méthodologie respecte les normes internationales. Évidemment, le contexte de chaque pays a incidence ou est plus important et doit être pris en considération parce qu'au niveau de la CDE et de la FAO, nous prenons toujours en considération le contexte national sans changer pour autant les limites et critères de la méthodologie.
Autrement, nous ne serons pas en mesure de faire une comparaison entre les différents pays. Nous aurons alors des informations qui seront utiles au niveau national pour la prise de décision. Mais nous ne serions pas en mesure d'assurer l'objectif ultime qui est d'assurer une comparaison entre les différents pays. Les pays peuvent évidemment définir leur méthodologie sur la base de leur réalité, sans toutefois changer de manière fondamentale la méthodologie approuvée. OK, I hope now it's clear for Mr. Essenou. Merci. J'espère que M. Essenou, maintenant, c'est clair. Votre question a été répondue. M. Alex. Oui, c'est clair. Merci. Merci, Stéphanie. La diversification sur la ferme. Est-ce que vous voulez dire que cela implique la production de plusieurs spéculations ou quoi? Oui. Voyez-vous, l'idée de base de cette affaire de spéculation comme critère de résilience, c'est de rendre la ferme résiliente à des chocs externes. Imaginez, si une ferme produit uniquement une seule spéculation, cela l'expose à un choc externe. Si, par exemple, il y a une chute brute des prix, que fera le producteur? Tous ses efforts, sa lutte et son travail seraient complètement perdus. C'est de ce point de vue que nous avons estimé que la diversification sur le champ est l'une des stratégies de mitigation des risques. Si vous produisez plusieurs spéculations, cela voudrait dire que si une spéculation ou une culture rencontrait des difficultés, le producteur a toujours un autre moyen de ressources qui devrait lui permettre de surmonter la pente. C'est sur cette base que nous avons identifier la diversification sur la ferme comme un moyen de lutte contre une telle situation. Merci. Eh bien, nous n'avons plus d'autres questions. Arba, je ne sais pas si nous ne devrions pas observer une pause de 10 minutes. Stéphania, je ne vous ai pas entendu. Oui, je me demandais que, bon, puisque nous n'avons plus de questions, alors, pourquoi ne pas observer une pause de 10 minutes ou bien nous pourrions continuer? Bon, je propose que nous prenions une pause de 10 minutes au lieu de 5 minutes. Nous revenons alors dans exactement 10 minutes. C'est-à-dire à 10h30 GMT, nous allons reprendre. Merci et bonne pause.
Connexion internet est instable. Oh, comment ça, on parle là. Quando ele será conectado? Se não tiver uma palavra de vida, oh, para que uma palavra de vida? Oi, palavra.
Okay, it's 12:30 in Italy, so we can continue with the presentations. We don't have any question, any raised hand. So, Aspandiar, you can continue with the sub-indicators in the economic, in the environmental dimension. Perfect. Thank you, Stefania. Merci, Stefania. Bear with me for a second. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. All right, so welcome back. And soyez tous les bienvenus de la pause. Nous venons de terminer le troisième sous-indicateur qui se trouve sous l'aspect économique. Maintenant, nous passons à l'aspect environnemental. Le tout premier, c'est la prévalence de la dégradation du sol. Je m'en vais vous donner un peu de contexte. La FAO et le panel intergouvernemental sur la santé des sols ont identifié trois menaces à la santé du sol. Il s'agit de l'érosion, les déséquilibres des nutriments, acidification, compaction et la perte de la biodiversité du sol. Après un examen poussé des différentes menaces à la santé du sol et après discussion avec des experts de différents horizons, il était devenu clair que seule la fermeture la perte de la nature poreuse du sol est la seule menace qui ne rentre pas dans le cadre des activités des fermes. Alors, dans le cadre de ce sous-indicateur, nous avons identifié un certain nombre de menaces qui sont de nature globale. Premièrement, nous avons l'érosion. L'érosion se définit comme la perte des fils, des couches successives du sol au fil des années. Elle peut être accélérée ou ralentie selon les activités agricoles. Deuxièmement, nous avons la réduction de la fertilité du sol. La fertilité du sol fait référence à la capacité du sol à fournir les nutriments nécessaires aux plantes. Ceci implique une situation où le sol devrait être en mesure, n'arrive plus à fournir les nutriments nécessaires aux spéculations. Ensuite, nous avons ceci peut être dû à la stagnation du sol et ceci peut avoir une incidence sur la production du sol. Nous avons également la salinisation qui est l'accumulation du sel dans le sol ou cela pourrait être toute autre menace. C'est ce que, au fait, j'essaie d'expliquer tout au début de la journée d'hier. C'est-à-dire que les pays peuvent contextualiser la méthodologie de l'indicateur 2-4-1 selon les besoins nationaux. Mis à part ces quatre menaces, si un pays expérimente ou
identifie d'autres menaces à la santé du sol et voudrait l'inclure à la liste et donc par conséquent remplacer une autre menace que nous avons ici, eh bien, le pays est libre de le faire. Dans le cadre de l'indicateur 241, nous posons une simple question aux producteurs sur la base de leurs connaissances. Vous pourrez vous demander, est-ce que toutes les sols cultivables dans un pays doivent faire l'objet de suivi? Eh bien, pour faire ce suivi, justement, nous, on aura besoin des cartes, des analyses de laboratoire, des enquêtes sur le terrain et autres rapports sur la dégradation du sol, que ce soit au niveau national ou international. Mais la raison pour laquelle nous proposons une enquête plus simple comparativement à l'échantillonnage du sol qui serait beaucoup plus détaillé, c'est parce que justement durant les discussions relatives à la méthodologie, plusieurs pays ont mis l'accent sur le fait que des échantillons, l'échantillonnage et son analyse risquent d'être trop coûteux. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nous allons poser une simple question et nous baser sur la déclaration des exploitants au lieu d'utiliser d'autres méthodes pour identifier le niveau de dégradation du sol. Si sur la base des analyses de laboratoire, ainsi que leurs résultats, eh bien, ces résultats seront utilisés pour appuyer l'enquête ou alors vérifier l'information fournie par justement l'exploitant. Donc, nous ne mettons pas de côté la possibilité d'utiliser d'autres moyens pour évaluer la fertilité du sol au cas où les moyens le permettent. Cela devrait d'ailleurs permettre de faire la triangulation nécessaire et de vérifier les informations fournies par les exploitants. En ce qui concerne le seuil, c'est très simple. La zone est en vert lorsque la zone combinée de la ferme affectée par l'une des menaces identifiées, l'une des quatre menaces identifiées, représente moins de 10% de la surface totale cultivable de la ferme. Donc, si cela a un impact sur moins de 10% de la zone agricole ou la zone cultivable totale, alors nous estimons que la zone serait classée en vert. Ici, nous avons les résultats, une fois encore, de l'étude pilote qui a eu lieu au Bangladesh. Première ferme, nous leur avons posé une question directe. Avez-vous expérimenté ces quatre menaces sur votre terrain? La réponse étant oui ou non. Érosion du sol, réduction de la fertilité, fertilité du sol, oui, stagnation de l'eau, oui, ainsi de suite. Donc, si
la femme expérimente un autre problème, mis à part les quatre présentés ici, eh bien, vous pouvez remplacer cela par l'une des menaces qui ne serait pas pertinente pour votre pays. La superficie totale ici, c'est de 0,9. La zone affectée est de 0,40, qui représente 49%. Si vous vous rappelez, plus tôt, je vous ai dit que si la zone affectée se retrouve entre moins de... se retrouve entre 10% et 50%, eh bien, cela est classé en jaune. Maintenant, ferme numéro 3, non. Pourcentage 0% et par conséquent, cette ferme désirable. Ferme numéro 4 ont deux problèmes en particulier. La taille totale, c'est 0,24. La zone impactée est 0,20, donc 74%, donc non durable. Ensuite, nous avons fait la somme des zones identifiées en vert, jaune, rouge, divisée par le toute la zone cultivable totale, ce qui nous permet d'obtenir le pourcentage pour cette région. Je vais vous montrer le document Excel. Cette fois-ci, je suis sûr que c'est beaucoup plus simple. Vous avez besoin de poser une simple question et le reste est facile. Voici la question que nous posons dans le cadre de l'enquête. Avez-vous expérimenté l'une de ces menaces à la santé du sol dans vos régions? Érosion du sol, réduction de la fertilité, stagnation de l'eau, salinisation ou autre, dans ce cas spécifié, ou aucune de ces menaces? Donc, une fois qu'ils auraient coché, disant par exemple, j'ai des problèmes avec ces deux menaces sur ma ferme, et dans ce cas, vous avez... une autre question. Quelle est la taille totale de la partie affectée par les menaces? Et vous savez, pour les producteurs, ils vont toujours vous donner une estimation globale de la zone impactée par cette menace. En utilisant cette information, et celle que nous avons déjà obtenue par rapport à la taille totale de la ferme, nous informons, donc voici, si vous vous rappelez, voici le CIRF ou la classification 2020. Sur cette base et sur la base des réponses obtenues, nous l'informons. Et voilà l'analyse des informations. Érosion du sol, non. Réduction de la fertilité, oui. Stagnation de l'eau, oui. Salinisation, non. Et donc, nous faisons le calcul pour arriver maintenant au pourcentage. And so on. I mean, we start classifying the. Donc, nous avons essayé de catégoriser les fermes en rouge, jaune et vert. Ici, le numéro 1, 55,56%, donc non durable, 0%
durable, 9,5% c'est également désirable, 25% acceptable, ainsi de suite. Ensuite, nous faisons la somme pour pouvoir avoir l'estimation. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense que je vais m'en arrêter ici. Merci. Pour l'instant, pas de questions ni de demandes de prise de parole. D'accord, nous allons donner une minute aux participants pour voir s'ils vont réagir ou pas. Okay, we have a raised hand. Oui, nous avons une main levée. Oui, merci. Oui, les questions, c'est sur les jeunes, c'est sur, comment dire, les jeunes agricoles ou les jeunes cultivables. Les questions qu'on pose là, est-ce que c'est sur la jeune agricole ou bien c'est sur les jeunes cultivables? C'est pas très clair à ma tête, je voulais savoir, est-ce que c'est sur les jeunes cultivables ou c'est sur les jeunes. Parce que c'est vrai qu'on parle des sols, dans la dégradation des sols. Est-ce que dans ces dégradations, est-ce qu'on parle des jeunes cultivables ou des jeunes agricoles? Merci. No, as I explained earlier, 2-for-1 is estimated and assessed at the agriculture holding level. So we are always talking about farmland. Là, nous parlons toujours de terres cultivables, tout ce qui est au-delà des fermes ne fait pas partie de la portée de 2-4-1. Alors, toutes les questions comprenant ces éléments, tout cela est évalué au niveau de l'exploitation. Là, nous parlons toujours des exploitations ou des terres cultivables. Okay, we have another question from you. Nous avons une autre question. You have the floor, please. Vous avez la parole. Monsieur Mitanga, vous avez la parole. Monsieur Ambroise Nikwibitanga, vous avez la parole. Monsieur Nikwibitanga Ambroise, activez votre micro et posez votre question, s'il vous plaît. Mr. Duvi, in the meantime, what is the reason for replacing la raison de changer? Nous n'avons pas suffisamment. Répétez, s'il vous plaît. Quelle est la raison qui consiste à remplacer niveau prévalent d'un pays au lieu de choisir d'autres? Elle n'est pas claire, cette question, ou la façon dont elle l'a posée. Est-ce que vous avez bien compris? Non? J'essaie de comprendre votre question telle que vous la lisez. Au fait, nous avons listé 4 et nous avions proposé les options pour le 5e, d'autres à spécifier. Supposons que ces 4 ne sont pas des éléments au niveau de votre pays. Ne vous gênez pas à demander des informations à leur sujet parce que plusieurs pays savent a priori ce que c'est que les menaces à leur salinisation ou l'engorgement. N'a rien à voir avec leur pays. S'il y a d'autres questions qui menacent la santé du sol au niveau des champs,
to the list. Ils pourront ajouter cette situation particulière à leur liste ou cet élément particulier à leur liste. Alors, j'expliquais que le sous-certificateur de 4.1 permet au pays d'adapter ou de contextualiser la méthodologie par rapport à ce qui se fait ou ce qu'est la réalité sur le terrain. Si j'ai bien compris la question, nous n'obligeons pas les questions à répondre à ces questions si les options ne sont pas pertinentes. Mais si elles sont pertinentes, il faudrait qu'ils y apportent des informations. Nous avons une autre question. Si vous basez la dégradation sur les quatre critères, quelle est l'utilisation, quelle est l'utilité des autres? Ce que je viens d'expliquer. Pas nécessairement ces quatre critères, mais il y a un autre élément qui est peut-être une situation importante ou majeure pour votre pays. Vous pourriez l'ajouter et apporter les explications nécessaires. Sorry, I was speaking on mute. So there is Mr. Oulaye with. Alors, Monsieur Oulaye, je voudrais prendre la parole. Oui. Ok. Merci. Bonjour. Tout d'abord, je remercie très bien le présentateur et toute l'équipe. Et surtout, depuis le matin, j'avais commencé à féliciter les interprètes. Et très bien, ils ont permis vraiment de bien suivre cette formation. Donc, j'ai une seule question. C'est par rapport. Bon, moi, je suis un pays côtier, c'est-à-dire un pays entouré par la mer. Bon, il y a les îles chez nous ou les zones chez nous qui sont entourées par l'eau de mer. Parfois, l'eau de mer déborde et va dans les champs, les cultures là. Comment on peut vraiment utiliser ces concepts-là par rapport à ça? Merci. Yes, so as mentioned, you know, and oui, comme je l'ai dit, l'une des options, si c'est la stagnation de l'eau, si c'est une situation qui découle de la stagnation de l'eau, une explication additionnelle serait, par exemple, l'inondation qui, donc la stagnation de l'eau serait une caractéristique de l'eau. Et cela peut être provoqué aussi par l'inondation dans une saison particulière. Et cela sera considéré sous l'option de la stagnation de l'eau ou de l'engorgement de l'eau. Et parce que cela permet ou provoque la montée des eaux. Ou cela est dû à la montée des eaux. Ok, Mr. Ambroise. Monsieur Ambroise. Peut-être que vous avez maintenant réglé votre problème de micro. Vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Mr. Nick Wimbatanga. Monsieur Nick Wimbatanga Ambroise. Alors, je donne la parole à monsieur. Nkui Batanga. Allô? Oui, allez-y, nous vous recevons. Vous avez la parole. Maintenant? Oui, okay, 5 sur merci. 5. Oui, ok. J'avais la question en rapport avec la manière dont on va utiliser pour collecter les informations par rapport au sol, notamment par exemple la salinisation. Est-ce que vous voyez que serait facile à poser ces questions au ménage pour savoir si le sol possède une salinisation ou pas? Puisque je pense que ça demande beaucoup d'outils, de les matériels sophistiqués pour savoir les caractéristiques du sol. Voilà ma préoccupation. Je ne sais pas si vous avez entendu ma préoccupation.
Oui, on vous a bien suivi. OK. Merci. Oui, pour toutes ces questions qui ont été soulevées dans le cas de ce sous-syndicateur, nous comptons sur l'expérience, la connaissance et les informations du paysan par rapport à la qualité du sol et pas tant sur les données. Alors maintenant, quant à savoir si l'objectivité en est pour quelque chose par rapport à la santé du sol, par rapport à la salinisation et la fertilité, pour cela, évidemment, nous aurons besoin de procéder à un échantillonnage du sol, mais pas de la manière dont le 241 le recommande. Parce que, comme je l'avais déjà indiqué, recueillir une telle information serait coûteuse. Et pour cela, nous aurons besoin d'utiliser les informations sur la base de ce que nous disent les paysans au lieu d'adopter une approche sophistiquée. Nous pensons que les paysans ont une bonne connaissance des sols au niveau de leur exploitation et savent ce que c'est que les principaux problèmes relatifs au sol. Sur cette base, nous collectons des informations auprès du paysan. Mais évidemment, une fois que la question est posée, l'énumérateur, le recenseur doit expliquer ce que nous entendons par érosion du sol, ce que nous entendons par salinisation, ce que nous entendons par stagnation de l'eau. Une brève explication est donnée au répondant avant que la question ne soit posée pour nous permettre d'obtenir une réponse appropriée auprès de lui. Merci. Nous avons une autre question en français. Agricole. Mais j'aimerais que vous fassiez les liens entre l'exploitation et les ménages agricoles. So the statistical unit. Alors, l'unité statistique pour nous, c'est l'exploitation agricole. Et nous recueillons des informations sur l'exploitation agricole. Sur cette base, nous posons cette question aux détenteurs de l'exploitation ou aux propriétaires de l'exploitation. Quiconque opère cette exploitation, le ménage ou le chef de famille aura à répondre à cette question. Il pourrait avoir un recensement où le répondant serait le propriétaire de cette exploitation particulière ou le copropriétaire ou peut-être un gérant ou un directeur de cette exploitation. Donc, toutes ces questions seront posées à tous les membres du ménage ou au ménage impliqués dans des activités de production agricole. Dans cette perspective, l'unité statistique est le ménage de l'exploitation agricole au lieu de poser cette question à tous les membres de la communauté au sein de laquelle se trouve cette exploitation. Alors, je voudrais apporter des éléments complémentaires à quelqu'un voudrait apporter des éléments complémentaires. Vous avez la parole, Monsieur Ambroise. C'est la même question qui a rapport avec l'unité statistique. Et il y a certains pays qui n'ont pas encore mené des recensements au niveau de l'agriculture et de l'élevage. Et quelquefois, les bases de sondage que nous utilisons, ce sont les chefs de ménage qu'on a identifiés pendant le recensement de la population. Alors, qu'en est-il pour ces pays qui n'ont pas encore eu une base de liste des exploitations?
Est-ce que tu m'as saisi? Oui, moi je vous ai saisi. Oui, évidemment, si vous n'avez pas un recensement agricole qui a été récemment mené, et cela constituerait un défi et pour toute enquête agricole, que vous souhaiteriez entreprendre ou mener, des informations mises à jour sur le cadre seraient nécessaires pour vous permettre d'avoir un échantillonnage, ce serait un défi pour plusieurs pays qui n'ont pas une liste, n'est-ce pas, du cadre des éléments. Et c'est à cela que les pays doivent réfléchir. Dans le cadre de toute enquête agricole, nous avons une autre question en français. Désolé, reprenez. Est-ce que cette montée des eaux est mesurable? Well, you know, that's what I just explained. So, en fait, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous savez, le paysan ou la paysanne saura si son champ est émergé ou souvent à cette période de l'année, parce que la question est posée aux paysans qui ont été retenus comme des échantillons, et donc il ou elle doit savoir si il y a la montée est à un point où il n'est pas approprié pour la culture de spéculation. Alors maintenant, quant à savoir si la montée des eaux est mesurable, je ne pourrais pas vous apporter une réponse technique appropriée, mais d'autres collègues au niveau de la FAO seraient à mesure de vous apporter cette réponse. Maintenant, quant à sa mesurabilité et quels sont les moyens par lesquels cela peut être mesuré, je ne peux pas le dire. Maintenant, nous sommes précisément intéressés aux informations au niveau de l'exploitation agricole. Si la question est posée à l'exploitant ou à l'exploitante, il pourra nous dire quels sont les produits quand ils sont émergés, ne donnent aucun résultat. Maintenant, quelle est la quantité d'eau et quelle est cette quantité qui est néfaste à la production agricole? Nous n'avons pas besoin de cette information précise, mais tout ce dont nous avons besoin, c'est de savoir s'il y a une montée importante de l'eau et ce qui affecte la production agricole. Nous n'avons plus d'autres questions, et donc je pense que nous pourrions passer au cinquième indicateur. Okay. So the second sub-indicator in the environmental dimension. Le cinquième indicateur porte sur la variation en termes de disponibilité en eau. Alors, l'agriculture, spécifiquement l'agriculture irriguée, a besoin de ressources en eau. Dans plusieurs parties, les eaux sont obtenu des fleuves et qui parfois peut aller au-delà de ce que nous appelons l'agriculture durable. L'agriculture durable demande l'utilisation de l'eau douce pour l'irrigation et
dans des limites acceptables. Bien qu'il n'y ait pas de mesures internationales agréées, l'utilisation durable dépendra de la nappe phréatique et des fleuves, et cela peut provoquer des conflits entre les usagers. Cet indicateur retient le niveau par lequel l'eau utilisée de manière durable peut constituer des problèmes. Cela veut dire que l'eau autre que l'eau pluvieuse sert à cette exploitation au cours des trois saisons. On peut utiliser des puits pour l'irrigation ou la nappe phréatique. Cela peut être des puits avec des pompes ou des canaux sur la base d'une certaine gravité à partir d'un fleuve ou de la nappe phréatique. Ou bien l'eau peut être utilisée par des jets, un système de jets d'eau ou de drip irrigation, comme on le dit. En plus de cela, l'allocation de l'eau dans plusieurs pays au niveau des fermes est mise en œuvre par des organisations pour s'assurer que l'utilisation soit en fonction des règles préétablies. Ces organisations s'appellent les conseils d'eau, districts d'eau, etc. Donc, ces organisations peuvent être des institutions publiques ou détenues par les paysans ou des exploitants privés. Alors, comment est-ce que le seuil de cet indicateur ou sous-indicateur est classé? Alors, l'exploitation est catégorisée en vert si la disponibilité de l'eau demeure stable au fil des années pour l'irrigation des plantes sur plus de 10% de la superficie agricole. Alors, il est qualifié classé en vert si l'irrigation est moins de 10%. Alors, elle est catégorisée de jaune ou acceptable si cette exploitation utilise de l'eau pour irriguer au moins 10% de sa superficie agricole. Elle ne sait pas si la disponibilité de l'eau demeure stable au fil des années ou connaît une réduction de la disponibilité de l'eau au fil des années, mais qu'il n'y a aucune organisation qui alloue effectivement l'eau parmi ses usagers. Et l'exploitation est catégorisée de rouge, à savoir dans tous les cas, à savoir que l'eau est utilisée pour irriguer plus de 10% de sa superficie agricole ou connaît la réduction en termes de disponibilité en eau au fil des années et qu'il n'y a aucune organisation qui, de manière efficace et de manière équitable, distribue cette eau ou l'eau au sein des usagers. Voilà donc le résultat de l'étude de pilote du Bangladesh. Trois questions ont été posées aux paysans. La première, savoir est-ce que vous utilisez de l'eau pour l'irrigation? Il faut dire tout simplement oui ou non. Si la réponse est oui, nous passons à la réponse suivante. Avez-vous connu une réduction en matière d'eau au fil des années? Le paysan dirait oui. J'en ai connu ou non. L'eau est toujours disponible et en quantité suffisante. Et sur la base de des réponses à ces questions, nous procéderons ainsi à la catégorisation des exploitations. Concentrons-nous sur la première. Alors, est-ce que vous utilisez de l'eau pour l'irrigation? Oui.
quelle superficie est baignée par cette irrigation? 89,7% de cette superficie est irriguée. C'est la superficie de l'exploitation. Alors maintenant, la disponibilité de l'eau et l'excès en eau n'est pas du tout de problème dans cette exploitation. Et c'est pour cela que cette exploitation est qualifiée de souhaitable, donc vert. De deux, est-ce que vous connaissez la réduction en matière de disponibilité en eau? Oui, le niveau d'eau dans mon puits se réduit progressivement. Et la réponse qui s'ensuit, c'est, y a-t-il des organisations qui vous aident à dans l'allocation de l'eau? Oui, il dit oui, et il fonctionne bien. Alors, cette exploitation est qualifiée d'acceptable. Troisièmement, le niveau d'eau dans mon puits se réduit progressivement. Non, il n'y a aucune organisation qui gère cette eau. Et donc, il a 74% de sa superficie. Et donc, cette exploitation est qualifiée de non durable. Et le dernier tableau, pour d'autres indicateurs, nous avions catégorisé ces milieux de vert, de jaune et de rouge divisés par la zone totale à cultiver et la proportion de la zone, ou la proportion de la superficie cultivée. Question. Did this holding... Question. Est-ce que cette exploitation utilise de l'eau pour irriguer les cultures? La réponse ou les options sont oui. Si oui, indiquez le pourcentage ou la superficie de l'exploitation qui a été irriguée. Alors, la superficie était de 6, une unité de mesure c'est hectare, 2, non, aucune irrigation, 3, je ne peux pas me le permettre. Le 4, aucune. Il n'y a pas de disponibilité d'eau. Là, la réponse est oui. Nous passons à la question suivante. Est-ce que vous constatez une réduction en matière d'eau, des sources d'eau, à savoir les lacs, les canaux ou les rivières? La réponse est non, l'eau est toujours disponible en quantité suffisante quand tu en as besoin. Deux, oui. Le niveau d'eau dans mon puits se réduit progressivement. Trois, oui. L'eau dans le fleuve, le canal, le lac, davantage de pénurie. Nous connaissons davantage de pénurie et je ne peux pas compter sur cet approvisionnement quand j'en ai besoin. Quatre, je ne sais pas. Y a-t-il d'autres organisations qui traitent de l'allocation dans le domaine où se trouve votre exploitation? Les réponses sont oui, et elle fonctionne bien. Oui, mais elle ne fonctionne pas bien. Trois, il n'y en a aucune. Non, quatre, je ne sais pas. Et bien entendu, les autres informations nécessaires, c'est l'ensemble de la superficie de l'exploitation pour laquelle la réponse est donné une seule fois. Oui, l'eau est utilisée pour irrigation. Réduction en termes de disponibilité, non. L'eau est toujours disponible et en quantité suffisante. Surface totale irriguée, 6. Zone totale cultivée, 9% de superficie totale irriguée, 66,7%. Même cette exploitation est irriguée à 66% par rapport à sa superficie, est classifiée de désirable parce que
La première condition, est-ce qu'il y a disponibilité de l'eau et qui est demeure stable et permet l'irrigation de plus de 10% de la superficie cultivée. Deuxième, oui, j'utilise de l'eau pour irriguer les cultures, la réduction en matière de disponibilité de l'eau, je ne sais pas. Résultat par défaut en termes d'irrigation, moins de 10% de la zone cultivée, vert également. Non durable, est-ce que vous utilisez l'eau pour irriguer les cultures? Oui, la deuxième question, le niveau d'eau diminue progressivement, oui. Y a-t-il des organisations? Non, ces champs sont irrigués en utilisant de l'eau sur 40% de sa superficie totale cultivée, mais le niveau d'eau se réduit. Il n'y a aucune organisation pour gérer l'eau et cette exploitation est catégorisée de non durable. Et nous utilisons la même logique pour toutes ces exploitations agricoles. En dernière position, comme je l'ai indiqué, nous passons par le vert, le jaune et le rouge sur la base des conditions et procédons à l'estimation des proportions des zones agricoles. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet? Nous avons M. Moutebouti qui voudrait prendre la parole. Alors, afficher la dernière feuille Excel ou le dernier fichier Excel. Le dernier qui porte sur l'état de durabilité. The previous table. Non, voilà, yes. La précédente. Oui. I did not get well. Je n'ai pas bien suivi which factor here? Lequel des facteurs sur la base de la définition du seuil. Quelle colonne dans ce tableau nous permet de définir la dernière situation de durabilité de chacune des exploitations. Est-ce que le pourcentage est... Ben oui, j'ai bien compris votre question. Il y a une combinaison d'informations fournies dans ce tableau sur la base desquelles vous allez catégoriser l'exploitation comme étant vert, jaune. Non, il n'y a pas une seule information, c'est une combinaison d'informations qu'il faut prendre en compte. Et donc, dans ce tableau, nous avons commencé par la colonne 1. Vous avez d'abord besoin d'établir le fait que l'eau est utilisée pour l'irrigation ou non. Si l'exploitation n'utilise pas de l'eau pour l'irrigation ou moins de 10%, et du moins de 10% pour l'irrigation, nous ne devons pas passer à l'autre facteur ou l'autre condition. Et la question suivante, c'est que moi, j'utilise l'eau sur moins de 10% de la superficie cultivable. Et ce faisant, cette exploitation est considérée. Vous donnez l'exemple de, est-ce que nous utilisons l'utilisation de l'eau pour l'irrigation? Si la réponse est non, vous ne passez même plus à la deuxième question. Parce que en utilisant de l'eau sur moins de 10% de la zone cultivée, cela ne passe pas. Alors, d'autres informations rentrent en ligne de compte lorsque l'exploitation utilise de l'eau sur plus de 10% de la zone cultivée. Dans ce cas, dans le premier cas, oui. Maintenant, si la question de savoir si vous avez une réduction de l'eau, et s'il dit non, que l'eau existe en quantité suffisante, nous n'en avons plus passé à la question sur les organisations qui gèrent l'eau. Nous allons nous arrêter à ce niveau.
cette information nous suffit pour qualifier cette exploitation de verre. Donc, à ce niveau, vous voyez, j'utilise l'eau pour irriguer les cultures, mais la disponibilité est stable et nous en utilisons pour sur plus de 10% de la superficie cultivée. Donc, vous verrez que la réponse des paysans, à savoir, l'eau est disponible même s'il est en train de procéder à l'irrigation de 10% de la superficie cultivée. Si tel est le cas, nous le classerons ou le catégoriserons de souhaitable. Le problème devient alarmant s'il utilise l'eau pour l'irrigation sur plus de 10% de sa superficie cultivable et la disponibilité de l'eau se réduit. S'il dit que oui, je connais une réduction de disponibilité en matière de disponibilité de l'eau, c'est l'exploitant 3. Et la question lui est posée, y a-t-il des organisations qui, de manière efficace, distribuent l'eau aux usagers ou aux exploitations agricoles? Et sur la base de cette réponse, s'il dit non, il n'y a aucune organisation de ce genre, il sera classé de non durable. Donc, c'est une association d'éléments divers qui servent à catégoriser de vert, de jaune ou de rouge une exploitation. Donc, une seule information n'est pas utilisée dans ce sens. Alors, l'exploitant ou l'exploitation numéro 3, qu'en est-il s'il y a une organisation qui gère l'allocation de l'eau? Qu'est-ce qui peut changer si nous remplaçons cette réponse du paysan en disant qu'effectivement, il existe une organisation qui gère l'eau? Allô? 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 Alors, Asanda, nous ne vous recevons pas. Asanda, hello? Asanda, allô? Nous l'avons perdu. Nous avons perdu l'animateur. Oh, I think he left. Je crois qu'il a un souci de liaison ou de connexion. Let's wait another minute, then if nous allons attendre pour quelques minutes s'il n'arrive pas à se joindre à nous. Moi, je vais faire la présentation suivante, attendant quelques minutes. Thank you.
Okay, he sent me a message saying that he's figured out how to connect again. Alors, il m'a envoyé un message disant qu'il est en train de s'arranger pour se connecter. Nous allons attendre quelques minutes. S'il n'arrive pas à se joindre, nous allons passer à la présentation suivante. J'aurai l'occasion de vous faire. Okay, he said he will join again soon, so let's wait. Il m'envoie un message pour dire qu'il va bientôt se connecter. Donc, attendons un tout petit peu. Juste un tout petit peu.
I apologize for this unexpected break. Je m'excuse pour cette rupture momentanée. Nous pourrions en profiter pour avoir un petit repos. Il doit procéder à une autre configuration et donc dans quelques minutes, il va pouvoir se connecter. Je vous remercie de votre patience. Allô, Stéphania. Je suis de retour. Alors, y a-t-il des questions à mon absence? Je m'excuse pour cette interruption. Non, ça va. Je leur ai accordé quelques moments de répit. Alors, je retourne au fichier Excel. Alors, nous étions sur ce tableau. Ma question était de savoir, est-ce que vous me recevez? Ma question était de savoir, au niveau de l'exploitation 3, les deux premières conditions ont été remplies. Est-ce que vous, avec l'utilisation de l'eau pour l'irrigation et il dispose, en fait, et il y a une réduction du niveau d'eau. Alors, je posais la question de savoir qu'en est-il si nous remplaçons au niveau du troisième critère qu'il dispose d'une organisation qui gère la location de l'eau. Quel serait l'effet sur la durabilité de cette exploitation? Oui, dans ce cas, permettez-moi d'expliquer, dans ce cas particulier qui est l'exploitation 3, ils utilisent l'eau pour l'irrigation et ils en utilisent et plus de 10% de leur domaine d'exploitation. Ils connaissent une réduction d'eau également à partir de leur réponse, comme vous le constatez. Mais la quatrième question, pour nous permettre de les catégoriser de vert à jaune ou rouge, c'est de savoir s'il y a des organisations dans ce milieu qui allouent de manière efficace de l'eau. Alors, s'ils disent oui, qu'il y a des organisations qui travaillent bien, nous allons les classer de jaune. S'ils disent que oui, s'ils disent qu'il n'y a aucune organisation pour allouer l'eau, cela prédéterminera les facteurs qui nous permettront de changer la couleur de cette prestation de jaune à rouge. Voilà la condition ultime qui permettra de recatégoriser cette exploitation de jaune en rouge. Voilà, il s'agit là de la manière dont nous pourrions mettre en œuvre ou exploiter ces réponses. Est-il irrigation sur combien de superficie? Est-ce qu'il y a des organisations qui allouent l'eau, oui ou non? Sinon, donc, nous savons que cette exploitation se retrouvera en rouge parce que la disponibilité de l'eau par rapport à l'exploitation future rentrera en ligne de compte et le gouvernement devra prendre une décision à ce niveau.
soit mettre en place une institution ou une organisation pour gérer l'eau et éviter les conflits entre les usagers, mais rationaliser l'eau de manière appropriée afin qu'elle soit utilisée de manière efficace ou et aussi prendre des mesures pour garantir la disponibilité de l'eau de la nappe phréatique. We have a question from Mr. Essono. Vous avez une question de Monsieur Essono. Monsieur Essono, vous avez la parole. Over to you, Mr. Essono. Monsieur Essono, vous avez la parole. Oui, merci. J'avais juste deux questions, deux petites questions ou deux petits commentaires. Alors, pour la prise en compte de toutes ces questions, est-ce que moi, j'ai l'impression que le questionnaire préparé sera trop lourd. Est-ce qu'il existe des enquêtes spécifiques pour certains produits ou bien il existe juste un questionnaire? Parce que quand je vois depuis le début du séminaire, c'est une question qui m'est arrivée comme ça. C'est comme si le questionnaire, je ne sais pas si on va le voir dans ce séminaire, voir un peu comment ça se passe. Le questionnaire auquel on collecte ces informations, est-ce que ce sera trop lourd ou bien... Non, this questionnaire, I mean that we have designed for SE241, of course, was thoroughly deliberated. Okay. Le questionnaire que nous avions conçu a fait l'objet de discussions avec plusieurs experts, aussi bien les experts de la FAO, aussi bien qu'avec les bureaux pays. Et ces questionnaires ont fait l'objet de tests en matière de conception et tout ce qui a été pris en compte au niveau du Rwanda, du Mexique, et donc dans ces trois pays du Bangladesh. Et donc après ces tests cognitifs dans ces trois pays, cela fait l'objet d'études pilotes après que les informations aient été recueillies du Bangladesh. Alors, voilà les résultats que je suis en train de vous faire voir dans le cadre de ma présentation. Alors, la question qui a été décidée dans le cadre du module que nous avions développé, à ce sujet, je dirais qu'il y a eu, a fait l'objet de processus et de délibérations, non seulement avec des experts de la FAO, mais aussi des l'espère pays. Bien entendu, si un pays juge que la reformulation des questions doit être revue pour leur permettre d'obtenir des informations auprès des paysans de manière appropriée, mais que ces questions doivent être adaptées au concept et à la terminologie des pays, ils sont libres de le faire sans changer la nature fondamentale de ces questions. À garder à l'esprit que le 2.41 est un indicateur et c'est le premier cadre statistique qui a été développé par la FAO, non seulement pour collecter des informations sur différents aspects agricoles, mais pour également faire le suivi de la durabilité. Donc, c'est le premier cadre statistique qui a été conçu. Il y a possibilité d'améliorer les choses. Nous sommes donc ouverts à des commentaires et des observations constructives positives des représentants pays comme vous, parce que c'est eux qui sont mieux informés des questions sur le terrain. Et à cet effet, nous sommes ouverts à ces informations ou à ces retours pour nous permettre de peaufiner les questionnaires. Alors, ce que je tente de vous dire, c'est que le concept, la terminologie et les questions que vous voyez ici
sont les résultats d'un effort participatif et consultatif, mais nous sommes toujours ouverts à l'amélioration des questionnaires. Je vous remercie. Nous n'avons plus d'autres questions. Oui. Donc, voilà, Stéphania, maintenant que nous avions atteint le sixième indicateur. Je peux encore poser la deuxième question. Alors, c'est possible? Permettez-moi de compléter. Ah, ok. Je disais que nous sommes au niveau du sixième sous-indicateur. Cela veut dire que nous ne pourrons pas terminer tout ce que nous avions prévu faire pour la journée. Après l'exposé de ma collègue, je vais faire l'exposé d'un autre sous-indicateur. Ensuite, je passerai la parole à Flavio et demain, nous allons continuer avec le reste des sous-indicateurs. Monsieur, parce que vous voulez continuer, vous voulez rebondir sur quelque chose, Monsieur Ezenon? En fait, comme vous le dites, que vous allez partager le questionnaire, ça sera intéressant pour nous. Sur la version française, ce sera la version française qui va nous permettre un peu de plus nous guider, ce qu'on veut. Parce que comme c'est en français, c'est un peu difficile à comprendre. Mais vous la faites passer en français, ça serait bon. Et la dernière question était de, est-ce qu'à la fin de cette formation, il y aura un rapport? J'aimerais savoir s'il y aura un rapport que nous allons partager à notre chef de cette formation. Merci. So first thing first, I mean, as I mentioned... Comme je l'avais dit plus tôt, l'invitation que nous vous avions envoyée en début du mois avait des liens. Ces liens renvoyaient aux documents qui ont servi de base à l'élaboration de cette formation. Il y avait disponible et les versions anglaises et les versions françaises. Je vais inviter Stéphania à partager le module d'enquête en français avec les participants. En outre, elle va partager également le document de méthodologie afin que nos collègues francophones puissent avoir une idée claire de la chose, mais garder à l'esprit que tout ceci, tous ces documents ont été partagés avec vous bien avant le lancement de la formation et ceci lorsque nous vous avions envoyé l'invitation. En ce qui concerne le rapport, oui, à la fin de cette formation, nous allons élaborer un rapport qui sera partagé avec les participants au même moment où nous partagerons tous les autres documents pertinents à cette formation avec vous. Je vais mettre dans l'option conversation les liens vers les différents documents. Donc, je le fais maintenant même. D'accord, c'est parfait. Merci infiniment, Stéphania. Au cas où il y aurait plus d'autres questions, je voudrais passer immédiatement au prochain indicateur. Ce sera le dernier que nous allons examiner aujourd'hui. Chers participants, nous avons déjà couvert 5 sous-indicateurs. Il nous reste encore 6, ce qui voudrait dire que nous sommes très en retard. Nous avons M. Flavio Borregra qui vient du programme des enquêtes agricoles. Monsieur Sergio va présenter non seulement les préoccupations relatives aux enquêtes agricoles, mais également pour le cadre de 2.4.1. Donc, pendant
son exposé, nous allons faire une petite digression par rapport au cadre que nous sommes en train de présenter. C'est utile de le faire maintenant parce que nous avons ici la seule fenêtre d'opportunité disponible pour que M. Flavio puisse faire son intervention, son exposé, tout en espérant d'ailleurs que vous acceptez cette proposition. Je vais rapidement parcourir la prochaine diapo. Le sixième indicateur du cadre 241, et qui serait le dernier que nous allons examiner aujourd'hui, porte sur la gestion des engrais. En ce qui concerne l'objectif 24, la gestion durable implique la composition chimique du sol et du sous-sol soit maintenue sous un certain seuil. Ce sous-indicateur a été élaboré en utilisant les données qui ont été recueillies à travers des questions qui ont été posées aux producteurs par rapport aux différents pesticides qu'ils utilisent ou des mesures de gestion qu'il a mis en place pour lutter contre l'effet négatif des engrais dans le sol et l'eau. Il s'agit ici d'un nombre de... Il s'agit ici d'un sous-indicateur qui a fait l'objet de discussions entre les experts de la FAO et d'autres experts externes. Tout ceci dépend de la manière dont l'exploitant a adopté les engrais. Je ne vais pas passer en revue chacune des mesures de gestion parce que, comme je l'avais dit plus tôt, toutes ces mesures ont été expliquées en détail dans le manuel de l'énumérateur. Stéphania vous a envoyé les liens. Vous pouvez alors les utiliser pour évaluer chacun des sous-indicateurs et comprendre mieux ce dont il s'agit. Je vais rapidement passer au seuil que nous avons sélectionné pour ce sous-indicateur. Si l'exploitation ou la ferme utilise des engrais, mais met en place au moins 4 mesures spécifiques pour réduire les risques environnementaux, eh bien, cette exploitation serait catégorisée vert. Si l'exploitation utilise des engrais et si cette ferme n'utilise pas du tout des engrais, alors elle serait automatiquement catégorisée vert. Si la ferme, comme je l'ai dit, n'utilise pas du tout d'engrais, alors d'un point de vue environnemental, elle est en vert. Et si elle utilise des engrais, mais a mis en place au moins 4 mesures spécifiques pour lutter contre les risques environnementaux, elle serait encore en vert. Maintenant, si elle utilise des engrais et a mis en place au moins 2 mesures de lutte contre les risques environnementaux, eh bien, elle serait en jaune. Et si elle utilise des engrais, mais n'a aucune mesure spécifique en place, elle serait en rouge.
sur la base des tests qui ont été organisés en 2018-2019, nous avons premièrement posé une question. Est-ce que l'exploitant utilise un engrais? La réponse est soit oui ou non. Si la réponse est oui, alors nous passons à la question suivante, c'est-à-dire celle qui porte sur les quatre mesures. Nous l'invitons à expliquer brièvement les quatre mesures à la personne qui lui pose la question. Si, comme vous pouvez le voir, la première ferme ou exploitation en ce qui concerne les mesures n'a qu'une seule mesure, numéro 2, en place. Et donc, total adopté 2, donc c'est acceptable. Pour l'exploitation numéro 2, eh bien, il n'y a aucune mesure de mitigation, de réduction des risques. Donc, cette ferme est non durable. 37, utilisation d'engrais, la réponse est non. Dans ce cas, nous ne posons plus de questions complémentaires. Cette ferme est souhaitable parce qu'elle n'utilise pas du tout d'engrais et donc n'a aucun impact négatif sur l'environnement. Exploitation. Oui, à l'utilisation des engrais et ont mis en place 4 mesures spécifiques des 8 qui avaient été listées et par conséquent sont souhaitables. Le dernier également, puisque la ferme n'a pas n'utilise pas d'engrais immédiatement assez désirable ou souhaitable. Maintenant, vous passez au calcul de proportion. Une fois que vous avez catégorisé les fermes en jaune, en rouge, jaune et vert, vous pouvez alors faire le calcul des proportions. Je vais maintenant ouvrir le tableur Excel pour mieux élucider mon point. La première question, est-ce que la ferme utilise des engrais synthétiques ou des engrais, des engrais pour les cultures? La réponse est oui. Alors, nous passons à la question suivante. Est-ce qu'il y a des mesures en place? La réponse est oui. Nous continuons et nous posons la question par rapport aux 8 mesures qui sont ici listées. La première, suivre le protocole selon les services de vulgarisation ou les directions ou réglementations locales afin de ne pas aller au-delà des doses réglementaire. Deuxièmement, utiliser les sources organiques, des nutriments de sources organiques, ainsi de suite. Donc, sur la base de ces différents points et réponses, et nous attribuons les couleurs pertinentes. Utilisation d'engrais, oui. Des 8 mesures. L'exploitation a mis en place 3. Nous voyons que la ferme utilise l'engrais mais n'a pas 4 mesures en place. Par conséquent, elle ne peut pas être en vert. Ici, l'exploitation a 2 mesures en place, donc respecte la couleur jaune. Donc, c'est jaune ou encore acceptable. Toujours sur la base de cette logique, nous traitons les autres exploitations compte tenu de leur utilisation de l'engrais ou pas. Et si
elles utilisent l'engrais selon les mesures mises en place pour réduire les risques, nous leur attribuons les couleurs respectives. Le dernier tableau est pratiquement la même chose. Alors, mesdames et messieurs, est-ce que vous avez des questions? Il me reste encore 4 minutes avant que je ne passe la parole à Flavio. Mesdames et messieurs, avez-vous des questions? No questions. Pas de questions. Okay. D'accord. Flavio est déjà en ligne. Donc, à défaut de questions, nous pourrons lui passer directement la parole. D'accord, je suis d'accord. Nous pourrons lui passer la parole. Flavio, vous avez la parole. Après son exposé, nous allons tirer les rideaux. Demain, nous allons poursuivre avec le reste des sous-indicateurs. D'accord. Flavio? Soyez le bienvenu. Je vais vous présenter. Flavio est l'un de nos collègues ici à la division statistique. Il va présenter l'indicateur 241. C'est un expert en économie et a étudié en 2006 jusqu'à 2015. À l'Université brésilienne des études environnementales. Ensuite, il a rejoint la FAO en tant que chercheur dans le domaine. Il est ensuite devenu le coordinateur de son département. Je vais lui passer la parole pour son exposé. Monsieur Mario, vous avez la parole. Merci infiniment. Bonjour à tout un chacun. I share my screen, man. Yes. Pourrais-je passer au partage d'écran? Oui. Are you seeing my presentation? Yes. Okay, good. Okay, well, today, well, the invitation from Arbab and Stefania is to talk about... J'ai été sollicité pour intervenir en ce qui concerne... How a 2-for-1 indicator is addressed... La manière dont les sous-indicateurs peuvent être utilisés dans le cadre de ce programme. Premièrement, je vais me focaliser sur le programme AgriSurvey, les projets, ensuite la méthodologie et comment cet outil est intégré. Ensuite, je vais parler de l'initiative 50-2030, l'objectif, les pays impliqués et comment les outils pour la collecte de données seront utilisés. Le programme AgriSurvey est une initiative qui a été lancée avant la stratégie mondiale. Depuis 2008, avec la crise et l'évolution des études statistiques un peu partout dans le monde, a permis de lancer cette initiative en vue d'améliorer la production des données statistiques dans le monde, y compris dans les pays en développement.
l'un des résultats de ces efforts, c'est justement les enquêtes agricoles. Ces enquêtes visent à fournir des statistiques ainsi que des données, de nouvelles données en ce qui concerne les aspects socio-économiques des différents pays. Le programme devrait aider les pays à améliorer leur système agricole tout en encourageant ces approches et l'accès aux statistiques agricoles. Le projet a en son sein au fait deux autres projets. Le premier est un projet de l'USAID financé par le gouvernement américain. Et grâce à ce projet, nous offrons un appui technique et financier. Et le deuxième projet, qui est le projet Gates, qui se focalise sur l'assistance technique et est en cours dans des pays tels que l'Arménie, le Costa Rica, l'Équateur, le Kazakhstan, le Népal et l'Uruguay. Ces projets sont des projets pilotes pour un projet plus large ou un projet d'envergure. En l'occurrence, l'initiative 50x30. Et c'est cette année que ce projet ou cette initiative a été lancée, cette année ou en fin de l'année passée, et les pays sont en train d'être recrutés dans le cadre de cette initiative. À l'heure actuelle, nous sommes en train d'inclure dans le projet le Cambodge, la Géorgie, le Nigeria, le Sénégal, l'Ouganda, l'Éthiopie. Cette initiative est appuyée par le projet USAID et le projet AgriSurvey. Tout ceci appuie également le programme de coopération technique de la FAO. L'enquête intégrée AGRIS, comme vous le savez certainement, est un programme d'enquête multi à plusieurs objectifs et à plusieurs modules et est également intégré à 10 ans de cycle. Cela va au-delà des statistiques traditionnelles que nous avons l'habitude de recueillir. Les dimensions couvrent toute l'année. Chaque année, nous avons 4 modèles rotatifs. Et il y a également la fréquence de ces activités qui ont été proposées. Nous avons 5 modules dans le cadre de AGRIS. Et le questionnaire fait est une combinaison de différents modules
qui porte sur les données basiques, les données annuelles basiques, les données économiques, les données sur l'emploi, ainsi de suite. Selon les pays et les zones des informations, nous savons quoi inclure dans le document ou l'annuaire qui est élaboré chaque année. La méthodologie a été finalisée et en ce moment, deux des indicateurs n'avaient pas été complètement élaborés. Donc, tous les documents relatifs à AGRIS n'incluaient pas tous les volets du sous-indicateur 2.4.1. Il y a aussi par conséquent, il y a des questions supplémentaires qui ont été proposées. Nous avons élaboré deux options en ce qui concerne la manière dont l'on peut utiliser l'outil AgriSV. Et la première option, c'est la ajoute des questions. 32 questions complémentaires aux questions de base. Et l'option numéro 2, c'est d'utiliser le modèle économique et environnemental. Les données qui seront recueillies sur deux années consécutives seront utilisées. Alors, je vais présenter en détail les options. La première option, nous avons les détails ici. Nous avons le module clé qui est là, mais la meilleure option serait de fusionner la collecte des données avec le modèle PME, parce que la plupart des questions qui seront posées aux exploitants se retrouvent déjà dans le module clé. L'option 2 vise à se focaliser sur la collecte des données socio-économiques. L'année qui suit celle de l'année du module économique, nous allons mettre en place les différents modules. Donc, en ce sens, vous aurez deux années et non une. Tout ceci serait mis en œuvre en tenant compte de AgriSys. L'initiative 50-2030 a pratiquement le même objectif, c'est-à-dire améliorer la capacité des pays à produire et à analyser des données en vue d'influer sur la prise de décision politique. Mais cela doit être également un outil pour mesurer la réalisation de l'objectif fin zéro. Lorsque vous prenez par exemple les indicateurs de l'ODD 2.3.1, 2.3.2 et 2.4.1, vous pourrez l'utiliser comme un outil d'enquête. Mais aussi, vous pouvez l'utiliser pour les questions du genre, c'est-à-dire la cible 5A1, A et B. Donc, nous accompagnons les pays en matière d'élaboration de ces indicateurs.
La semaine dernière, le février passé était le délai pour la soumission des candidatures. Je sais qu'il y a certains pays ici qui l'ont fait. Maintenant, l'idée serait d'inclure de nouveaux pays, Cambodge, Sénégal, Nigeria et les autres. Ensuite, nous allons inclure le Burkina Faso, Malawi, Tanzanie et 5 autres pays, et ainsi de suite. Le projet vise à appuyer d'ici à 2030 50 pays. Souvent, l'appui couvre une période de 6 à 8 ans. Vous avez ici le lien et vous pourrez toujours y avoir accès, l'étudier un peu plus tard. L'approche est similaire, c'est-à-dire premièrement mettre en place un programme d'enquête agricole qui est très similaire à Agris, mais l'économie dans le modèle ici permet de fusionner le modèle. Ensuite, le module clé porte sur les équipements tels que les tracteurs et autres technologies. Nous avons également un module complémentaire qui permet de faire la collecte des données sur les ménages, sur les exploitants et sur les exploitations. Il est important de savoir que 2030 couvre un grand nombre d'activités et porte sur les exploitants de ménage, les exploitants commerciaux et so on. Les ménages qui n'ont pas de ferme sont également invités à fournir leur a fait des retours d'information sur leur expérience dans les milieux ruraux. Alors, le niveau de revenus ainsi que des questionnaires portant sur les ménages, les questions relatives aux machines, équipements et avoir des ménages. Les questionnaires portant sur les questions agricoles incluent déjà ces, comprennent déjà ces questions. Donc, lorsque nous parlons de données fournies par cette initiative, nous parlons du premier groupe des données, plus maintenant des données économiques. Si vous allez sur le site web, vous pourrez télécharger le questionnaire. Vous n'avez vraiment pas besoin de faire quelque adaptation que ce soit, parce que les questionnaires ont été conçus pour pouvoir répondre à tous les besoins. Nous cherchons également à faire la collecte des données à travers une seule visite. Donc, les données doivent porter sur une année civile. Ou alors, nous pourrons permettre à ce que deux
les exploitations puissent faire leur rapport sur des phénomènes spécifiques tels que la perte des récoltes et l'intégration de différents instruments, ainsi de suite. Tout ceci a été mis en place avec l'appui de la Banque mondiale pour faciliter la collecte des données. Pour Agris, les solutions sont intégrées dans l'outil. Tout a été intégré dans l'outil dont nous avons la méthodologie qui nous a permis d'élaborer ces instruments. Cela devrait permettre d'ajouter des questions complémentaires à l'instrument. Solution implemented, even is possible also to take a decision to go to the other il est également possible d'utiliser les différents indicateurs pour couvrir une même année. Je vais vous montrer comment ceci se fait de manière pratique. Donc, voici le questionnaire de 241. Nous avons les différentes exigences devant permettre d'adapter dans le cadre de la méthodologie. Nous avons différentes unités d'observation au niveau des fermes. Need to be aggregated. So non, tout cela devra par la suite être agrégé pour avoir les mêmes informations. Ces données sont obtenues par la parcelle et sur l'ensemble de l'exploitation. Voilà, celui-là porte sur tous les éléments. L'aspect environnemental, dans le cas de 3.3, il y en a, dans certains cas, c'est par exploitation, dans d'autres cas, c'est par parcelle. Nous allons bientôt procéder. Intégrer l'indicateur dans tous les aspects. Les décisions seront prises. L'approche indique l'indicateur lui-même et la nécessité de comment cela a été intégré. Et les questionnaires ont été également pris en compte. Le questionnaire sur 2.1 a été également pris en compte et donc ce processus doit être disponible dans 2 ou 3 mois. Diapo. Alors là, j'en ai fini et je suis disponible pour répondre aux questions des uns et des autres. Merci beaucoup, Flavio. Nous avons une question en français que je vais lire. Can you translate? Voudriez-vous traduire cela? You need to change the channel in English. Ah,
Well, can you repeat? I didn't understand. Répétez alors cela si je dois écouter l'interprétation. I don't know what is it. The food balance sheet. So the difference between the survey, agricultural survey, and the La différence balance. Entre l'enquête et le bilan alimentaire. The survey could provide data to compute the food balance sheet. Nous en avons besoin pour compléter les données. Nous en avons besoin de ces données pour compléter le bilan alimentaire. Mais là, c'est un élément très séparé. Ce n'est qu'une. Ce n'est qu'un intrant. Alors, pour le bilan alimentaire, nous avons besoin de plusieurs autres données ou d'intrants, mais en matière de production agricole, l'enquête consiste à produire des données officielles qui pourront également servir au bilan alimentaire. Merci. Nous n'avons plus de questions. Attendons de voir si quelqu'un a des éclaircissements à obtenir de cette présentation. Au fait, Stéphania, vous permettez. Ok, Flavio. Lorsque je présentais l'indicateur de profitabilité, nous avions. Nous exigeons 3 ans pour assigner la profitabilité. L'une des questions, nous avons besoin de. Il y a un souci avec l'Internet parce que sa présentation n'est pas fluide. Alors, il s'agira de demander aux paysans de se rappeler les revenus et les pertes. Vous savez, la manière dont l'indicateur est conçu aujourd'hui, cela demande des points de référence étalés sur 3 ans. Alors, la question, c'est comment pourrions-nous adapter les questionnaires pour recueillir des informations sur 3 ans et de manière pratique et pragmatique. Cela est possible dans les deux cas. Parce que pour estimer les revenus, nous devrions avoir trois ans par séquence. Et cela doit inclure le modèle ECHO ou IAP dans le cas de 3.30 pour les 3 ans pour obtenir des informations précises sur la profitabilité au cours des 3 années. Et vous aurez certains indicateurs pour seulement ces 3 années. Chacun des modèles est énorme et parfois nous pourrions avoir des données sensibles et il faudra insister là-dessus chaque année. Et cela est une éventualité dans la méthodologie 2-4-1, cela existe également. En réalité, même Georgia connaît cette situation, il recueille des données sur les coûts chaque année et sur le coût de production également. Et il demander seulement les résultats. Nous avons ce type de formation. N'est pas difficile à se rappeler, mais il s'agit là d'un sujet
pour le 2.4.1. La plupart des pays utilisent des méthodologies qui comprennent la profitabilité étalée sur 3 ans. Nous avouons que la qualité du son des deux intervenants maintenant, ou des deux animateurs, n'est pas évidente. Il y a deux autres questions. Il y a possibilité à d'autres pays de bénéficier de financements AGRIS et ces pays qui n'ont jamais été partis, comment pourraient-ils être intégrés? Je pense que l'année prochaine sera un autre cycle. Cette année, cela a été le cas, a été fait. Et this administration is done by the. Cette administration se fait une équipe de la Banque mondiale parce que l'initiative est organisée par 3 institutions de mise en œuvre. La FAO est chargée de la production de données. La Banque mondiale s'occupe du développement de la méthodologie et IFAD d'utilisation et l'administration générale se fait par un bureau de la Banque mondiale. Et donc, d'ici 2002, l'année prochaine, un autre cycle sera disponible ou ouvert. Merci. La quête agricole pourra-t-elle utiliser pour calculer le bilan alimentaire? Oui. L'idée de l'enquête, c'est d'avoir des données officielles qui peuvent également aider à évaluer le bilan alimentaire. Mais la conception des éléments des bilans alimentaires ne sont pas tous couverts, mais les données sont également collectées sur les pertes alimentaires, la post-récolte. Et donc, il y a un modèle sur les pertes avant et après récolte. Mais l'enquête ne donne pas toutes les conditions, tous les éléments requis pour le bilan alimentaire, surtout les données sur l'importation et l'exportation. Merci, nous n'avons plus de questions. Il est exactement 12h30. S'il n'y a plus de questions, nous pourrions officiellement clôturer la journée. Si vous n'avez pas de questions, nous allons clôturer la journée. Sinon, demain, nous pourrions répondre à d'autres questions que vous aurez à poser. Flavio, voilà, nous en avions terminé avec vous. Merci pour votre collaboration. Vous pouvez déjà mettre fin au partage de votre écran. Au revoir. Au revoir. Eh bien, comme je l'ai dit, nous avions déjà dit au début que nous allons clôturer la journée à 12h30 ou 14h30 heure d'Italie. Peut-être que chez vous, il est déjà trop tard. Et donc, je vous remercie pour votre participation à ce deuxième jour de cette formation. Je vous souhaite un bon repos. Nous avions déjà
étudier ces indicateurs aujourd'hui. Demain, nous aurons l'occasion de voir les autres sous-indicateurs pour nous permettre d'avoir les autres présentations et nous permettre d'avoir suffisamment de discussions avec vous et avoir une idée de vos défis au niveau de votre pays. Merci beaucoup. Donc, demain, nous allons démarrer immédiatement à 11h, heure d'Italie, 9h, heure d'Afrique de l'Ouest. Au revoir et à demain.